Salam alaikum Azulfilawen, bonsoir. On parle de marque de fabrique désormais. La médiocrité, l'incompétence, le déni, le mensonge. Ils ne se distinguent plus que par ses travers et d'autres encore. Ils sont ses ministres, ses barons, ses amis à capitaine d'industrie et toute cette faune qui s'exprime au nom du régime algérien. Les Algériens n'en peuvent plus de les subir, de devoir ingurgiter leurs inepties après avoir si longtemps déploré leur turpitude. Il n'y a plus de jour où ils n'infligent pas à la raison, à la dignité, voire même au politiquement correct. Les pires sorties qui soient, un sellel qui a si longtemps produit de l'absurde, quand on est arrivé à ne plus compter ses bourdes. Puis sont venus les autres, Ould Abbas et ses barbarismes, Roul et ses mensonges, Ben Younes et ses injures, au bon sens commun. Sidi Saïd et ses provocations au ras du fumier, Naïma Salhi et ses injures à l'intelligence, Feroun et ses contradictions inénarrables, et j'en passe, et des meilleurs, à croire que le régime collectionne, qu'il s'en sert pour détourner l'attention des gens, ou alors peut-être pour humilier tout ce qui est algérien, pour insulter sa dignité et le peu qui lui reste de raison. Et cela, le quotidien politique de l'Algérie. Et comme pour nous montrer que quand on atteint le fond, on creuse. Msahel est venu nous pendre le pire vilenie qui puisse s'imaginer, de la part de quelqu'un censé être le ministre le plus important du pays. Il s'en est pris à notre voisin marocain en des termes qui feraient honte au pire soudard qui soit. Et non seulement il a tenté de traîner nos frères marocains dans la boue, mais il a humilié les Algériens en les faisant passer pour un peuple inculte et indigne, puisqu'ils ont un tel ministre. Aujourd'hui. Le matin d'Algérie. Propos criminels de Messaël. Le clan Bouteflika veut-il la guerre? Par Mohamed Benchikou. Liberté. Le président du FCE traite Abdelmadjid Tebboune de prédateur. Ali Haddad règle ses comptes. Par Méziane Rabi. Tamourt Info. En visite à Tizi Ouzou, Jamel Kawan menace les journalistes. Par Tahar Kelaf. Bonsoir. Le titre de notre émission, donc, « Médiocrité du discours politique en Algérie ». On aura le plaisir, aujourd'hui avec nous, Mohsen Belabbès, président du RCD depuis Alger, par Skype, et aussi, ici dans le studio, Boukhalfa Ben Ma'mar, militant des droits de l'homme. On aura aussi Fodil Boumala, qui est journaliste, et Hafid Daradji, qui est journaliste sportif. Mohsen Belabbès, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mohsen Belabbès, comment qualifier les dernières déclarations des ministres, des responsables? On a entendu un ministre des Affaires étrangères citer ou parler du Maroc. Et c'était vraiment des déclarations qui ont vraiment fait le buzz sur Internet, des déclarations très très graves par rapport au Maroc voisin. Oui, vous l'avez dit au début de l'émission, nous avons atteint le fond en creuse. Évidemment, avec le gouvernement Ouyahia, depuis son installation, ça va, le 17 août passé, on creuse et on continue à creuser. Parce qu'avec les dernières déclarations de M. Messahel, ce n'est pas seulement une atteinte à un voisin, mais c'est surtout une atteinte à la diplomatie algérienne et une atteinte au peuple algérien. Parce qu'il ne s'agit pas d'un simple citoyen, même si moi je sais très bien le niveau des citoyens algériens passe de très loin le niveau des dirigeants algériens, mais c'est important de le relever. C'est M. Ouyahia qui a commencé en réalité en septembre dernier quand il a décidé de s'attaquer à tous les acteurs politiques de l'opposition, à tous les experts économiques, à tous les analystes politiques, avec un langage indigne d'un premier ministre.
Par la suite, effectivement, il y a eu une série d'attaques violentes, verbales, en direction des acteurs politiques. Mais maintenant, on a atteint le sommet, puisqu'on s'attaque à des voisins, pas seulement le Maroc, puisque dans sa déclaration, il a essayé aussi de rabaisser nos voisins tunisiens, nos voisins mauritaniens, nos voisins libyens, les Égyptiens. Il s'est attaqué à tous les voisins de l'Algérie d'aujourd'hui. En citant des confidences qu'il aurait eues de la bouche de chef d'État africain, c'est important de le relever, c'est la première fois où nous assistons à un ministre des Affaires étrangères qui divulgue ce qui est censé être des secrets, même si je ne crois pas qu'il ait entendu ce genre de déclaration de la part des chefs d'État. Je ne vois pas des chefs d'État s'amuser à donner ce genre de confidence à un simple ministre, parce qu'on a l'habitude d'avoir des chefs d'État qui traitent plutôt avec des chefs d'État ou au minimum avec premier ministre. Mohsen Belabbès, si vous me permettez, on va juste écouter et suivre les déclarations de Mseheel par rapport donc à des pays voisins et frères. Vous l'avez souligné, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte. On entend ce qu'a dit Mseheel et on revient. Maroc compris, parce que très souvent, les gens nous comparent au Maroc, mais qu'en est-il ? Les banques marocaines, on sait, c'est le blanchiment de l'argent du hashish. Tout le monde le sait. Et ça, c'est des chefs d'État africains qui me le disent. Si c'est ça une banque, mais j'arrive. Donc, واحد ما يخلعنا personne et Royal Air Maroc elle transporte autre chose que des passagers et ça tout le monde le sait. Non, on n'est pas le Maroc, on est l'Algérie. On a un potentiel, on a de l'avenir. Nous sommes un pays stable, nous sommes un pays sûr. Je vous dis, c'est pas nous, c'est les autres qui le disent. Doing business aujourd'hui en Afrique du Nord, il n'y a que l'Algérie, ni l'Égypte, ni la Libye, ni la Tunisie, ni le Maroc. L'Égypte a de gros problèmes économiques. L'Égypte passe son temps à prêter de l'argent à le FMI, à Flan, à Feltan. Alhamdoulilah, on a payé notre dette par anticipation. Financement non conventionnel, c'est une bonne chose. Tout le monde le fait. Ça nous éloigne de l'endettement. Ensuite, doing business, c'est pas la Tunisie. La Tunisie a des difficultés énormes. Le Maroc, tout le monde sait ce que c'est que le Maroc. Le Maroc, c'est une zone de libre-échange. Ouais, je suis le Maroc. Il y a des sociétés françaises. On crée une zone, elle construit une usine, elle fait travailler quelques Marocains ou Adamakens. C'est pas. Doing business, c'est l'Algérie. Mohsen Belabbès, vous avez qualifié ce discours donc du summum de la médiocrité. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On a entendu aussi dernièrement les déclarations du président du FCE, M. Haddad, à l'encontre de Tebboune. Je pense que c'est pareil. C'est pareil que ce soit avec les déclarations de M. Haddad, que ce soit avec les déclarations de M. Mseheel, même si M. Mseheel est quand même ministre des Affaires étrangères, diplomate en chef, donc c'est le patron de la diplomatie algérienne. Et ce genre de vocabulaire ne doit pas être obtenu par un diplomate. On a l'habitude d'entendre des attaques de part et d'autre d'un certain nombre d'acteurs marocains et d'acteurs algériens, mais d'un niveau moins important que celui des ministres des Affaires étrangères. Ce qui est malheureux aussi à écouter cette vidéo, c'est qu'on a entendu ce qui est censé être une élite économique applaudir M. Mseheel à l'occasion de ces déclarations. Là aussi, c'est malheureux de le signaler. Le plus grave, s'agissant des patrons algériens, en tout cas ceux qui étaient présents à l'occasion de cette université, c'est des dérapages
de leur chef, parce qu'ils ont laissé faire déraper le chef à l'encontre d'un ancien Premier ministre. On peut critiquer l'ancien Premier ministre, on peut critiquer l'actuel Premier ministre, ils sont faits pour être critiqués en réalité, mais pas avec ce genre de vocabulaire. D'autant plus que ça s'est passé à l'occasion d'une université d'été qui a été envahie par des membres du gouvernement qui, pour l'essentiel, étaient dans l'équipe de M. Tebboune il y a moins de 3 mois. Donc, la rapidité avec laquelle ils ont lâché le Premier ministre montre en tout cas le niveau de confiance qui règne au sein du gouvernement algérien. C'est important aussi de signaler qu'il n'y a pas eu de réaction ni du Premier ministre, ni du chef de l'État, ni du parti politique auquel appartient ce Premier ministre. C'est important même de signaler que par rapport aux déclarations de M. Messahel, on a l'impression qu'ils sont assumés par le chef de l'État parce qu'à ce jour, il n'y a pas eu de déclaration allant dans le sens de réduire de l'importance des propos de M. Messahel, même si c'est très difficile d'en réduire justement la portée. Moi, je pense que c'est devenu une ligne. Les dérapages des premiers responsables algériens, maintenant, sont assumés au niveau de la présidence de la République. S'agissant de M. Haddad, il n'est pas à son premier dérapage. Il faut rappeler que à l'occasion d'un forum africain que sa structure, son organisation a organisé en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères l'année passée, il y a eu un dérapage semblable. Dans tous les cas, ce genre de déclaration n'honore pas le responsable, n'honore pas l'Algérie, n'honore pas la diplomatie algérienne, n'honore pas le gouvernement algérien. Très bien. Restez avec nous, Mohsen Belabbas. Boukhalfa, je reviens à vous. Donc, Boukhalfa Ben Mahmar, militant des droits de l'homme. Bonsoir. Bonsoir à nos invités. Boukhalfa, quelle est votre lecture par rapport à ce discours? On a entendu Ali Msahel, qui est le premier diplomate, comme l'a souligné Mohsen Belabbas, supposé faire de la diplomatie, mais malheureusement on a entendu des accusations pour des pays voisins et frères. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que M. Msahel a donné le maximum de lui. Je vais tenir un propos qui peut paraître un peu sexiste, mais bon, ce n'est pas le but. Comme disent certains, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Je pense que dans cette séquence, M. Msahel a donné ce qu'il a pu. C'est-à-dire que, tout en essayant de revêtir un costume qui ne lui sied pas, qui ne lui convient pas, d'une part, et je ne pense pas qu'il ait l'étoffe d'un diplomate, de toute façon. En tous les cas, il n'en a pas ne parlons même pas de l'étoffe, mais je ne pense même pas qu'il ait les règles les plus élémentaires. Déjà parler de son voisin de palier avant de parler du pays voisin. Mais d'autre part, il faut replacer un peu les choses dans leur contexte. Dans une situation où le pays est complètement handicapé à l'image du président de la République. Donc la présidence, je pense que la présidence se réduit aujourd'hui à qui vous savez, à qui tout le monde le sait. Donc je pense que le président est aux abonnés absents depuis un bon moment. Donc la gestion du pouvoir se fait par famille interposée, et puis par les quelques militaires qui sont cooptés jusqu'à ce jour. Je pense que le plus important, c'est de ne pas s'attarder sur la qualité de la médiocrité du discours, parce que c'est son essence même du discours politique des responsables de chez nous. C'est plutôt démystifier ce discours. D'abord, le timing, l'objectif et les arrière-pensées politiques. Les Algériens, dans leur majorité, sont habitués au prétexte de l'ennemi extérieur, et ce qui a été plutôt bien joué par le Maroc depuis l'indépendance de l'Algérie. Puisqu'à chaque fois que le système était sur le point de vaciller ou de plier genou, ou de mettre genou à terre, donc le prétexte marocain a toujours joué en faveur. N'oublions pas la guerre des frontières qui a démarré 22, 3 ans après, même pas 2 ans après l'indépendance de l'Algérie. C'est un prétexte qui va être invoqué en permanence.
Maintenant, si on se borne à analyser le discours politique en lui-même, il est creux, il est creux. C'est même pas des discussions. Je pense que même au niveau des cafés, comme on dit, des cafés de comptoir, les discussions sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus profondes que ça. Mais en plus, en quoi l'Algérien est-il concerné par ce propos ? Ayant personnellement visité le Maroc à plusieurs reprises, entretenant de bons rapports avec beaucoup de Marocains qui, comme moi, sont engagés dans le combat en faveur des libertés démocratiques et des droits de l'homme. Donc je peux vous dire que ça ne leur fait ni chaud ni froid d'avoir entendu ces propos, puisqu'ils sont habitués à avoir les mêmes propos de leurs responsables au niveau du Maroc concernant l'Algérie. Donc c'est à la limite, c'est fait pour amuser la plèbe, sans plus. – Pour amuser la plèbe ou… Comme l'a dit, je reviens, Mohsen Belabbas, très, très rapidement à vous. Est-ce que vous avez parlé qu'il n'y a pas eu de réaction du chef de l'État ni du Premier ministre Ouihia? Est-ce que vous pensez qu'on est dans le cautionnement de cette politique ou peut-être on est dans la diversion? Non, moi je commence à me poser la question, est-ce que ce n'était pas prémédité quand je vois que pour l'essentiel, des panels ou bien des communicants à l'occasion de cette université d'été, c'était des ministres. Il y a eu 8 ministres qui ont communiqué à l'occasion de cet événement. Je me pose la question qui a décidé de l'ordre du jour, qui a choisi les thématiques à aborder, qui a choisi les intervenants. Mohsen Belabbas, il faut juste dire qu'on n'a jamais entendu des déclarations. C'est des déclarations imprécédentes d'un Premier ministre. En tout cas, d'un Premier ministre, d'un président, il n'y a pas eu de déclaration. Moi, j'aurais voulu entendre le Premier ministre ou le chef de l'État essayer de réduire l'importance des déclarations qui ont été faites par le ministre des Affaires étrangères, parce que c'était un dérapage, il faut le dire. Maintenant, moi je vous dis, est-ce que ce n'était pas prémédité qui a décidé que M. Messahed devait communiquer à l'occasion de cette université d'été, quand on sait que M. Messahed est connu pour ses dérapages? En réalité, on n'était pas à sa première dans des cercles restreints. Il n'a jamais été entendu sur des espaces où il y avait une présence importante d'acteurs économiques, voire de journalistes, mais dans les cercles restreints, on dit que justement ce personnage a l'habitude des dérapages. Donc s'il a été programmé, peut-être que c'était prémédité, je ne suis pas sûr, je me pose la question. Mais à partir pourquoi, il n'y a pas de réaction officielle. La question qui se pose, pourquoi, si ça a été prémédité, pourquoi? Non, le pourquoi, il est clair, celui qui m'a précédé a bien raison de dire que en Algérie, on a l'habitude, quand on est en crise importante, on essaie de trouver sur des acteurs sur lesquels on va dire que c'est leur faute. On a l'habitude justement de parler de la main de l'étranger, de parler. Donc on est dans cette logique on est dans cette logique de diversion. Vous en parlez par rapport à une situation qui est très difficile en ce moment en Algérie, économiquement, des difficultés que même Ouihia a qualifiées de dire que l'mous wassal l'adam. Non, en réalité, dans une université d'été, on est censé écouter des communicants spécialisés sur un certain nombre de questions pour qu'ils nous avancent des pistes de sortie de crise, pour qu'ils nous donnent des chiffres précis. Ce qu'on n'a pas eu à l'occasion de l'université d'été, justement, du FCE. À aucun moment, nous avons entendu le ministre, par exemple, des Affaires étrangères. En tout cas, la presse n'a pas rapporté les chiffres qu'il aurait donné sur les exportations algériennes vers les pays africains, parce que apparemment, ce qui se dit, c'est qu'ils veulent concurrencer le Maroc en Afrique, c'est de bonne guerre. Moi aussi, je voudrais que mon pays s'investisse un peu plus dans le continent africain. Mais ce n'est pas en essayant je vais utiliser un mot qui n'est pas trop lourd, je préfère pour l'instant dire noircir
la situation du Maroc qu'on va réussir à nous implanter dans les pays africains et à développer nos relations économiques avec ces pays-là. Mm. Tu sais, en cabine, on dit smoumif. Smoumif, ça veut dire, c'est pas le chacal qui a essayé d'atteindre une grappe de raisin qui était trop loin de lui. À un certain moment, il a dit smoumif. Donc, c'est ce qui se passe avec le régime algérien quand il s'est attaqué à notre voisin marocain. Mais dans tous les cas, si réellement il y avait une volonté de s'en sortir, parce que nous vivons une crise grave, une crise d'abord politique, une crise économique, une crise sociale, une crise culturelle, en réalité une crise multidimensionnelle. Nous avons en priorité intérêt à avoir de bonnes relations avec le voisinage. Donc on doit construire une relation de confiance avec notre voisin marocain, avec notre voisin tunisien, avec notre voisin libyen, avec notre voisin malien, avec notre voisin mauritanien et avec tous les acteurs qui pèsent à l'échelle du continent africain. Nous avons aussi besoin d'instaurer un climat de confiance avec la société algérienne parce qu'aujourd'hui, le citoyen algérien n'a plus confiance dans ses dirigeants. Si on veut relancer l'économie en Algérie, si on veut lancer des réformes sérieuses, des réformes structurelles, parce qu'il s'agit de cela, il faut d'abord travailler à recréer le climat de confiance entre les différents acteurs politiques, économiques, sociaux et avec aussi les citoyens. Mmh. Mais je ne vois pas le gouvernement algérien prendre cette voie. Quand j'entends le Premier ministre algérien à l'occasion de sa réponse aux députés au niveau du Parlement en mars septembre dernier, quand j'entends le vocabulaire utilisé, parce qu'il était un vocabulaire semblable à celui qui a été utilisé par M. Messahel, je comprends que le pouvoir algérien ne veut pas travailler avec les Algériens. Il veut juste gagner du temps jusqu'aux élections présidentielles de 2009. Et encore une fois, il va faire comme il a toujours fait par le passé, géré par la répression, géré par la corruption. Voilà. Très bien. Donc, je vais revenir par rapport à ces accusations dont vous avez mentionné, M. Belabbès. Ça, c'était par rapport au débat qu'il y avait sur le plan du gouvernement. M. Ouihia a attaqué l'opposition et dans votre parti, le RCD, qui l'a qualifié de radicalisé en perte de vitesse que ses propres militants quittent, dit-il. Mais on revient à ça par rapport à cette déclaration, M. Mohsen Belabbès. Restez avec nous, Boukhalfa. Je veux juste qu'on entende ce qu'a dit M. Haddad, donc le président du FCE, par rapport à M. Tebboune, et on va revenir. On entend M. Haddad et on revient. Il y a quelques mois, nous avons été victimes d'une cabale. On ne peut pas s'en passer, on ne peut pas ne pas l'évoquer. D'une cabale dont les instigateurs ont essayé de nous présenter comme des prédateurs. Je dis bien prédateurs. Et nous collons tous les mots. Mais je peux le dire ici, en votre présence, le prédateur, c'est lui. C'est pas nous. Le prédateur, c'est lui. Je le dis bien, c'est lui. C'est pas nous. Nous, on est travailleurs. On est des travailleurs. On se lève. Donc ça, c'était ce qu'a dit M. Haddad sur Tebboune. Donc le prédateur, c'est lui. C'est pas nous. Nous, on est des travailleurs. Beaucoup disent qu'il y a une dérive par rapport à ces paroles, on en fait de la politique alors que M. Haddad est censé donner des chiffres comme l'a bien précisé Mohsen Belabbès. Boukhalfa. En fait, il faut. Alors,
On peut parler de dérapage si on était dans une démocratie, oui. Ce qu'on oublie, c'est qu'on vient on est dans un pays qui a été dans le moule des institutions, a été pratiquement fondu à l'image des institutions soviétiques. C'est-à-dire que pendant les années de plan, l'Union soviétique, donc ça a été le KGB qui a quadrillé la société, donc les fonctionnaires devaient passer par le filtre du KGB pour assumer des responsabilités. Rien n'a changé en Algérie, c'est pareil. Donc aujourd'hui, un certain Ali Haddad, donc si on reprend son parcours, on va voir, ce n'est pas un opérateur économique. Ce n'est pas un opérateur économique. Donc tout le monde sait en Algérie comment ce monsieur-là a gravi les échelons, comment est-ce qu'il a gratté les marchés publics, comment est-ce qu'il les a. On attend que l'opposition s'exprime sur ces sujets-là. On ne leur demande pas de se substituer à la justice, mais de dénoncer ces impostures, de les dénoncer. Ces mystifications doivent être dénoncées parce que l'histoire va nous condamner si on n'a pas pris position contre ces gens-là. À l'image de Sidi Saïd aussi, qui est une imposture qui est depuis 1974 dans le syndicat, qui est pratiquement un fonctionnaire du syndicalisme, chose qu'on ne voit pas dans les sociétés démocratiques. Ça doit être dénoncé aussi. Donc tous ces gens-là qui sont censés être, pareil dans toutes les institutions, qui sont censés être des contre-pouvoirs à l'image du journalisme aussi, qui devraient nous expliquer comment ces bonhommes-là ont gravi les échelons, il faudrait qu'ils prennent aussi des risques. Bon, je suis désolé de le dire, mais il faudrait que les gens fassent ce qu'ils doivent faire à leur niveau de responsabilité. Donc maintenant, pour revenir juste au chapitre du Maroc, ce que je tiens à dire, je ne défends pas le Maroc, loin de là, ce n'est pas une démocratie, mais le volume des transferts financiers effectués par les résidents marocains dans toute l'Europe et des États-Unis et du Canada sont équivalents à ceux que notre oligarchie s'arrange à faire partir de l'Algérie en direction de l'étranger, les paradis fiscaux, la France et tout. Donc ça, c'est une parenthèse que j'ouvre et je ferme. Donc maintenant, je ne peux pas parler encore de dérapage, parce qu'encore une fois, qu'est-ce que vous voulez que ce monsieur me donne comme discours, comme analyse? Il est en train non seulement de régler ses comptes, mais il parle pour le groupe qu'il a coopté, qui lui a permis de gravir. Donc on sait très bien que M. Ali Haddad est le poulain protégé du clan Bouteflika, et notamment de son frère Saïd. Donc il le fait en toute impunité. Je ne pense pas que ce soit des dérapages. Je pense que ils se sentent entre eux, et puis ils ont confiance, ils reprennent confiance, ils le disent. Donc maintenant, ce n'est pas uniquement des gains de temps, mais il y a aussi des choses qu'il faut dire aussi, c'est que l'Algérie, à la fin de l'année, va être dans le rouge. Elle sera fatalement obligée d'emprunter de l'argent au FMI, donc il n'y aura plus d'argent. Donc avec quoi on va payer les factures d'importation, c'est ce qui se passe. Et je pense que c'est sur ces sujets-là qu'il faudra quand même prendre position, parce que analyser un discours creux en le qualifiant de dérapage, c'est aussi lui donner un certain crédit et dire qu'on espère un peu plus. Non, c'est faux. Je pense qu'il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Mohsen Belabbas, Boukhalfa Ben Ammar, il dit qu'il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Quand on entend Ali Haddad qualifier un ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, de prédateur, c'est des accusations très, très, très graves. Non, c'est des accusations très, très graves. Mais en tout cas, moi, je ne vais pas me substituer à M. Tebboune parce qu'il lui appartient de réagir à ce genre mais, de... Mais à la classe politique, un Premier ministre, un chef d'État, c'est un ancien Premier ministre. Oui, oui, je suis d'accord, mais il appartient au même système en réalité, parce qu'il ne s'agit pas ici de défendre M. Tebboune ou le gouvernement en place, parce qu'il se valent en réalité. Maintenant, quand on parle de dérapage, c'est que nous n'avons pas l'habitude d'entendre ce genre de propos venant de la part d'un ministre des Affaires étrangères, par exemple, à l'égard d'un voisin. Donc jusque-là, ils ont toujours su modérer leur discours officiel, même si il y a toujours des échanges d'amabilité par des acteurs intermédiaires.
Maintenant, oui, il faudra dénoncer ce que nous cessons de faire depuis des années, notamment par rapport à un certain nombre de ce qu'on appelle acteurs économiques ontariens, mais qui vivent du captage de la commande publique. C'est connu, nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous l'avons répété même à l'occasion du dernier débat sur le plan d'action du gouvernement. D'ailleurs, c'est ce qui nous a valu les attaques violentes de la part du Premier ministre. Mais plus que cela, nous avons été dans la proposition parce que souvent, le citoyen algérien, du fait de la manipulation ambiante du pouvoir, essaye de faire croire à l'opinion publique que les acteurs de l'opposition n'ont pas de proposition alternative. Donc nous avons essayé et démontré à travers nos interventions à l'Assemblée nationale qu'il y a des propositions alternatives. Il y a des solutions aux problèmes algériens, mais ça passe par le départ des dirigeants en place, ça passe par un changement du système tout entier, parce qu'il ne s'agit plus d'Europe latérale. Nous avons aussi dénoncé depuis tout le temps le syndicat officiel, parce que c'est un syndicat officiel qui est plus proche du patronat que du monde syndical. On sait très bien que nous sommes dans un pays où, au niveau notamment des entreprises publiques, il faudra le dire, pour que la nomination d'un dirigeant à n'importe quel niveau, au niveau d'une entreprise publique, son accord, son APRAC, son EDCAS ou autre, si vous n'avez pas la caution du syndicat officiel, cette nomination n'aura pas lieu, même s'il vient d'un ministre, vient de la part d'un premier ministre. Ils ont toujours cédé justement à ce syndicat parce que ces structures en réalité ont toujours été utilisées comme instrument de prise et de maintien au pouvoir. C'est ce qu'ils vont faire avec la structure du forum des chefs d'entreprise. Très bien. Restez avec nous, Mohsen Belabbas. On a été rejoint par Abdou Sembar, qui est journaliste d'investigation. Abdou Sembar, Massa al-Khair, bonsoir. On a Abdou Sembar avec nous. Je pense qu'on l'a perdu. Inch'Allah, nos frères de la régie vont essayer de le recontacter. Boukhalfa. Donc, vous avez dit rien à espérer de ce régime ou de ces gens-là. Mohsen Belabbas dit qu'on accuse ou on est en train de dire que l'opposition n'a pas d'alternative, mais l'opposition a une alternative. Comment faire face à un discours médiocre en excellence? Même on parle de médiocratie. De toute façon, il n'y a pas les moyens dont dispose le pouvoir pour disqualifier le discours de l'opposition depuis l'ouverture de 89 est importante, puisque les médias lourds sont entre les mains du pouvoir. La presse qui a été suscitée, ou la presse dite un peu libre, donc a toujours été dépendante du flux du marché de la publicité distillé par le système. Donc qu'est-ce qui peut porter la parole de l'opposition, si ce n'est d'abord la consistance de son projet, d'une part, d'autre part, son taux de pénétration dans la société. Donc bien sûr, si on construit un projet en dehors des Algériens, c'est clair qu'il ne va pas tenir, d'une part, et d'autre part, aussi les moyens, en partie les moyens dont dispose l'État pour étouffer, disqualifier le discours de l'opposition sans défaite. Bon, maintenant, il y a des sujets sur lesquels les Algériens attendent la classe politique, ils attendent des faits, ils attendent des prises de position non seulement, non, je ne vais pas dire révolutionnaire, mais l'homme politique est tenu de trouver les voies et moyens d'aller de l'action. Surtout de se rapprocher le plus de ses concitoyens, parce que la parole qui construit un projet politique, quand elle est bien construite et quand elle va en profondeur, je ne pense pas que le citoyen reste insensible à ce genre de discours. C'est extrêmement important. Et il faut chercher aussi de la profondeur, la pénétration non seulement des idées, mais de l'action au jour le jour. Loin de moi la prétention de donner des cours à qui de droit, mais je pense aussi il y a une
part de responsabilité au niveau de l'opposition aujourd'hui en Algérie, qui s'est disqualifiée elle-même aussi. Très bien. Je pense qu'on a Abdou Smar avec nous, journaliste d'investigation. Abdou Smar, bonsoir. Bonsoir, mes salutations à tous les invités, à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Marais Lumière. Merci Abdou Smar d'être avec nous. Abdou Smar, comment qualifier donc ces déclarations de Ali Haddad contre Tebboune, un ancien Premier ministre, et les déclarations de Msahel, donc ministre des Affaires étrangères, à l'encontre des pays voisins? Le langage du régime et des gens qui appartiennent au régime ou qui vivent dans les alentours du régime, c'est-à-dire qui se, comment dirais-je, cultivent ou qui se nourrissent de la matrice du régime, c'est des gens qui ont musclé leur discours, il y a une montée de l'agressivité, il y a un certain caractère belliqueux pour la simple raison qu'il y a une crise en Algérie, une crise qui de dysfonctionnement, une crise sérieuse, et cette crise-là, elle menace leur perspective. Mmh. Et pour détourner l'attention, et pour faire peur, et pour essayer de se maintenir au pouvoir, donc on essaie de muscler son discours, on essaie de montrer ses muscles, et on essaie de se présenter comme étant des gens imperturbables, qui sont là, qui sont capables de se bagarrer, qui sont capables d'avoir leurs droits, qui sont capables. Donc pour moi, ce discours musclé traduit une angoisse, l'angoisse de l'avenir. L'angoisse d'un futur proche, très compliqué économiquement, financièrement, et qui est en train de contraindre le pays à changer. Mmh. Donc on est beaucoup plus dans la diversion, vous pensez, quand on entend des discours, vous avez dit que la situation elle est très grave. Et elle a entendu récemment ce qu'a dit Ouihia par rapport à la situation économique. Est-ce qu'on est dans la diversion ? Absolument, nous sommes dans la diversion. Alors chaque discours, il a un cas particulier, une histoire particulière. Mmh. Si vous prenez le discours d'Ali Haddad, c'est un règlement de camp, voilà, l'université d'été, c'est le retour. Ali Haddad profite, et ses amis profitent. Mais c'est très grave, Abdou Smar, quand on attaque un ancien Premier ministre, c'est un chef d'entreprise, et il est censé nous parler de l'économie, des chiffres. Aujourd'hui, ce qui se passe en Algérie est d'une gravité extrême. Il n'y a pas que Ali Haddad qui, dont les propos sont graves. Mmh. Il y a énormément de choses qui ont été dites. Il y a énormément de choses qui ont été révélées. Nous, par exemple, dans notre média, j'entendais tout à l'heure dire votre invité, dire que les journalistes doivent prendre des risques. Nous les prenons, nous, les risques, Algérie Part. Depuis notre lancement, on a révélé les fortunes des dirigeants. On a donné des documents, on a donné des affaires. On a expliqué comment il y a eu les montages financiers dans les paradis fiscaux. On a expliqué comment les devises ont été transférées. On a expliqué comment les fils de un tel et tel haut responsable ont pris du business, etc. Les risques, nous les prenons. Donc, ce qui se passe en Algérie est grave depuis la rentrée, avant même la rentrée sociale. Depuis cet été, il se passe des choses complètement. Et si vous voulez, il y a une partie du régime qui est en train de s'effriter. On sent que c'est un chapeau de sable qui peut s'effondrer à n'importe quel moment. Donc, il y a des gens de ce même régime. C'est comme un serpent qui essaie de faire sa vue. Donc, le serpent méchant veut devenir... Il veut changer sa vue, il veut devenir un peu plus gentil. Et les gens qui sont autour essaient d'en profiter pour... Si vous voulez, je vais vous donner une métaphore pour comprendre la situation actuelle du pays. Mmh. L'Algérie était un paquebot. Comprenez, c'était un paquebot qui transportait le régime algérien. Je parle, le régime algérien était un paquebot qui transportait beaucoup de personnes. Énormément de personnes. Aujourd'hui, le paquebot est en train de couler. Et les gens les plus puissants sont en train de jeter dans la mer, de balancer dans la mer, les gens dont ils n'ont pas besoin. Ils veulent juste rester. Il y a une minorité influente qui veut rester entre elles pour prendre les canaux de sauvetage et s'enfuir. Voilà l'image de la réalité d'Algérie. Donc tout ce que vous entendez, il y a énormément de luttes de clans, il y a énormément de luttes d'influence, il y a une minorité influente qui a compris que le pays doit changer, elle veut le changement, elle veut appliquer le changement tout en se maintenant au pouvoir. Et pour se maintenir au pouvoir, on doit donner des têtes. Alors, on sacrifie Sennel, on a sacrifié Bouchouerb, on a les Amara Bignonas, Amara Rose sont complètement exclus. On utilise le bon, après on le tombe dessus. On a enlevé le numéro 2 de la gendarmerie nationale parce qu'il a osé rendre visite au général Touvir, etc. Des généraux vont tomber, des hauts cadres vont tomber,
etc. Donc il y a la minorité influente, puissante au sommet du régime, est en train de se nettoyer, de purifier, est en train de se débarrasser du maximum de personnes qu'elle peut, pour dire aux Algériens, voilà, nous sommes en train de changer le pays, il faut nous accepter, nous, c'est avec nous que vous allez avoir la paix et le développement. Très bien. Restez avec nous, Abdou Sembar. Mohsen Belabbès, vous avez entendu les propos de Abdou Sembar. La métaphore, donc, c'est un paquebot qui est en train de couler. Qu'est-ce que vous en pensez? Le plus important à dire, c'est surtout qu'il y a des Algériens, justement, qui se battent dans ces pays, malgré la difficulté et par des risques. Vous êtes en train d'écouter un président d'un parti qui est interdit de la télévision algérienne. Il y a à peine trois semaines, l'ensemble des présidents de partis politiques algériens ont été invités par la télévision officielle pour des émissions d'une heure. Sauf le président du RCD. Parce que justement, le discours du RCD est jugé subversif. Parce que nous disons la vérité, parce que nous proposons des solutions alternatives. C'est pareil pour la radio algérienne. Je n'ai pas été invité à cette radio depuis 2012. Nous sommes dans un pays, j'ai donné le chiffre dernièrement dans une interview sur le Watan, plus de 500 000 Algériens sont fichés par les services de sécurité. Vous avez tous suivi la campagne de rejet de candidature durant le mois dernier. Ce qui est reproché justement aux citoyens dont on a rejeté les candidatures, c'est leur appartenance à des structures associatives, à des mouvements citoyens qui ont pris des positions politiques. Je peux vous citer l'exemple des citoyens qui se sont mobilisés contre le gaz de schiste dans la wilaya d'Adrar et de Ouagla, et même illicite à Marasset. La majorité de ceux qui ont postulé à la candidature au niveau de ces wilayas ont vu leur dossier rejeté. C'est pareil, par exemple, au niveau de la capitale, pour ceux qui se sont mobilisés contre le quatrième mandat ou qui ont eu à fréquenter un certain nombre d'activités organisées à l'époque par le mouvement Barakate. C'est pareil pour les citoyens de la wilaya de Radaya, qu'ils soient de la communauté mozabite ou bien de l'autre communauté, les citoyens qui font de la politique au niveau de cette wilaya ont vu leur candidature rejetée. C'est pareil au niveau des wilayas de Kabylie, pour tous ceux qui se mobilisent, notamment pour la régionalisation, pour l'autonomie régionale, qui ont eu à participer à un certain nombre de manifestations publiques à l'occasion du 20 avril, leurs candidatures ont été rejetées. Donc tous ces rejets étaient illégaux parce qu'ils n'étaient pas fondés et en plus, c'est sur simple déclaration du service de sécurité. Donc vous voyez qu'il y a des Algériens qui prennent des risques et qui, parce qu'ils ont des positions politiques, parce qu'ils ont une appartenance politique, ils sont exclus du champ public. Je peux continuer à vous citer des exemples. On peut prendre un exemple du site électronique Tout sur l'Algérie. Depuis maintenant presque trois semaines que ce site est inaccessible sur les réseaux algériens, c'est une censure qui ne dit pas son nom parce que quand vous posez la question au ministre concerné, qu'il soit celui de la communication ou bien celui de la postérité des communications, ils sont des marques, ils vous disent que nous n'avons rien à voir. Mais c'est quand même bizarre un site électronique qui pendant trois semaines est inaccessible aux Algériens. Je peux continuer à citer des exemples. Donc il y a des Algériens qui se battent. Et si moi, pourquoi je commence à parler de ça? Parce que je suis convaincu que c'est ces Algériens qui vont faire que le paquebot algérien ne va pas couler. Parce que le risque, il est là, c'est vrai. Mais quand je vois ce chiffre d'Algériens qui est fiché, le nombre d'Algériens qui essayent de militer, continuer à se battre ici en Algérie, moi, je reste optimiste. Certes, c'est difficile, voire même c'est très difficile. Très bien. Vous dites, Mohsen Belabbès, que vous restez optimiste. Abdou Sembar, Mohsen Belabbès, qu'il dit que je reste optimiste, il y aura des Algériens pour sauver ce paquebot. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on aimerait avoir... Le régime algérien est un paquebot qui coule, pas l'Algérie, c'est deux choses différentes. Il faut distinguer, il faut de la nuance. Je n'ai pas dit que l'Algérie est un paquebot qui coule, j'ai dit que le régime algérien
est un paquebot qui est en train de couler. Ils sont en train de se débarrasser de toutes les personnes dont ils n'ont plus besoin pour être sur un autre bateau et pour se maintenir encore au pouvoir. C'est complètement différent. Mmh. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Mohamed Mohsen, que je salue au passage. Oui, oui, il y a des Algériens qui se battent. Oui, il y a encore de, il y aura toujours de l'espoir. Nous sommes un pays jeune, nous sommes un pays plein de génie, plein d'intelligence, plein de bonnes choses. Nous avons une âme, etc. Oui, oui, certainement. Mais le problème, c'est que ça tarde. Le changement tarde. Et le pays, et moi, je crains les répercussions de ces blocages. Je les crains. Oh, nous avons 1 million de bébés, 1 million de naissances par an. Dans 10 ans, on sera 50 millions d'habitants, quand même, voire plus. Il y aura une dizaine de villes qui abriteront plus d'1 million de personnes. Tous ces gens-là, il faut leur parler, leur donner des aspirations, leur donner du boulot, leur donner du travail, leur donner une chance. Donc ce sera, c'est un, oui, autant on a un potentiel énorme, autant si on commence pas à adopter un nouveau système politique, un nouveau système économique dès maintenant. Donc je suis désolé, c'est pas du pessimisme de le dire, mais c'est du réalisme. Dans 10 ans, si on ne change, si on commence pas à changer notre manière de gouverner, à changer notre manière de réfléchir, notre manière de consommer et de produire, bah dans 10 ans, on aura des gros problèmes. On aura des gros problèmes. Voilà le. Donc, c'est pas du pessimisme de le dire, c'est du réalisme. Il faut se battre, mais il faut pas être naïf. Quand on est naïf, un combat naïf ne mène nulle part. Un combat utopique, c'est un combat qui est voué à l'échec. Abdou Samar, très rapidement, ce combat. Comment il doit être, ce combat, très rapidement? Il doit être avec... Moi, j'ai identifié 3 solutions. La première solution, de nouvelles têtes dans l'élite politique. Il faut une nouvelle élite politique. Qu'on le veut, les Al-Brahimi, les Bokro, les Ali Ben Yahya, c'est peut-être des gens respectables, ils ne mobiliseront jamais les jeunes Algériens. Les jeunes Algériens ne les connaissent pas, ces gens, ces figures-là. Ils ne parlent pas le même langage que les jeunes, etc. Alors que le pays est foncièrement jeune. Il faut de nouvelles têtes. C'est vrai. Deuxièmement, il faut un nouveau discours. Il faut sortir de l'insulte et de l'invective. Passer 100 ans à dire ceci est un voleur, celui-là est un voleur, celui-là est un voleur. Non, c'est pas le discours qui mobilise. Il faut un discours qui est basé sur une alternative, une vision. Quel est le projet que je donne? Boycotter les élections à chaque fois, ça n'a pas de sens. Moi, je salue le RCD et le FFS qui sont au Parlement. Comment on peut changer un pays si on ne sait même pas comment une APC fonctionne? Si on ne sait même pas comment un Parlement fonctionne? Bon, il faut apprendre ce que c'est qu'un appareil, ce que c'est qu'un État. Il faut avoir une culture politique. Donc il faut faire comme les frères musulmans. Mais Abdou Samar, beaucoup disent que même si on est dans le Parlement, on ne peut rien changer. Mais mon ami, les frères musulmans n'ont pas été au Parlement sous Moubarak. Après le printemps égyptien, ils n'ont pas réussi à arriver au pouvoir, peu importe ce qui s'est passé après. Les syndicalistes tunisiens, etc. Il y en a eu beaucoup qui ont été au sein du pouvoir, au sein de la parole de Ben Ali. Ils n'ont pas appris comment on le fait. Comment on peut changer un pays si on n'a pas la culture du fonctionnement de l'État? C'est très facile de dire, voilà, on va changer les choses. Ok, je te donne un poste de pouvoir maintenant. Deviens ministre, deviens président de la République. Essaye de changer si tu n'as pas la feuille de route, si tu n'as pas les notions, si tu n'as pas les clés. Il faut être pragmatique. La troisième chose, c'est très important, c'est ce qui nous manque, nous les Algériens, le pragmatisme. Il faut qu'on soit pragmatique. Nous, on est encore à polémiquer, il faut être musulman, ah, on n'est pas musulman, est-ce qu'il faut parler en arabe, est-ce qu'on est arabo-musulman, amazir, etc. Il y a un tas de questions identitaires qu'on aurait dû régler il y a longtemps, on polémique sur des... Il faut être pragmatique. Être pragmatique, c'est simple. Est-ce qu'il faut on peut pas renverser le pouvoir par les... On a compris qu'on peut pas renverser le pouvoir par les protestations dans la rue, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des modèles ukrainiens, modèles turcs, modèles brésiliens. Il faut être pragmatique. Toujours, on pense que 3 conditions seront réunies, on pourra aller loin. Malheureusement, on est encore en train de polémiquer sur telle et telle et telle. Et malheureusement, il y a une maladie. Je tiens à le dire. Très bien, merci Abdou Samar. J'aime beaucoup, juste un mot. Oui, allez-y, très rapidement Abdou Samar. Un mot très rapidement, tant que dans notre pays, à chaque fois qu'il y a une tête qui émerge, on va la battre. Dès qu'il y a quelqu'un, regardez l'exemple de la chef Rouget, qui fait un livre où il pense dessus sur tous les écrivains algériens. Dès que quelqu'un essaie de bouger, il devient au mauvais ou quelqu'un des services. Avec cette mentalité-là, on ne peut pas changer un pays. Très bien. Atek Saha Abdou Samar, merci beaucoup. Mohsen Belabès, très rapidement, s'il vous plaît. C'est bien d'être optimiste, mais la situation, elle est là. Vous avez entendu les propos d'Abdou Samar. Très rapidement, le mot de la fin, s'il vous plaît.
je suis d'accord avec ce que dit M. Abdelwassima, même si moi, je vois qu'il y a beaucoup quand même de nouvelles têtes qui ont émergé ces dernières années, dont lui-même, qui est connu pour être un acteur de la scène médiatique, même de la scène politique, quand même, qui ose des choses. Maintenant, le problème, à mon avis, c'est dans l'absence de dialogue entre les différents acteurs, tout court, je ne vais pas des politiques économiques, les acteurs de l'opposition en général. On n'arrive pas à dialoguer entre nous. Il y a une certaine méfiance qui, je pense qu'il est nourri par un certain nombre d'acteurs proches du régime. Mais dans tous les cas, nous devons vaincre cette méfiance. Nous devons apprendre à discuter entre nous. Les rares espaces où un certain nombre d'acteurs se rencontrent en réalité, c'est une chaîne de télévision, par exemple, comme Marabia, ou peut-être un certain nombre de radios qu'on trouve sur le net, mais pas plus. Nous devons faire un peu plus d'efforts parce que la sortie de crise dépendra de Merci. Notre mobilisation solidaire. Yatik Saha Mohsen Belabbas, merci beaucoup. Dernier mot, Boukhalfa. Donc, vous avez entendu ce qu'a dit Abdelsammar, ce qu'a dit Mohsen Belabbas. Moi, je dirais qu'il y a une lame de fond qui traverse l'Algérie. Elle dépasse largement les courants politiques. Ce sont les dynamiques sociales que nous, auxquelles on assiste depuis une dizaine d'années, puisque beaucoup d'acteurs associatifs, du milieu associatif, arrivent à organiser, à pérenniser des événements depuis plus d'une dizaine d'années sans avoir à quémander l'assistance pécuniaire de l'État. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que la classe politique accompagne ces lames de fond qui sont dans la société, puisque c'est elle qui imprime le mouvement. Donc faire fi de ça, c'est quand même croire au Père Noël et dire que le discours politique, à lui tout seul, peut être porteur de changement. Non, je pense qu'à un moment donné aussi, la classe politique doit écouter ce qui se passe fondamentalement dans la société et se mettre à son diapason. Donc, moi, je ne vais pas dire que je suis optimiste ou pessimiste. Non, loin de là, je pense qu'il y a des choses, il y a des caps qu'il faut franchir. C'est vrai que la vertu du dialogue politique dans l'opposition est à revoir complètement, mais je pense que ça, ce n'est pas uniquement des modalités techniques, c'est une forme de culture qu'il faudra dépasser. Depuis 30 ans, la communication au sein de l'opposition se fait toujours par intérêt. Elle ne s'est pas faite sur un projet, elle ne s'est jamais faite sur une base programmatique, mais elle s'est faite sur une base d'intérêt. Sans plus. Donc je pense que là, il y a un cap de culture à franchir. Malheureusement, donc, nous sommes le produit d'une société qu'on ne peut pas changer. Je reste quand même optimiste dans le sens où c'est la société qui nous donne le cap à suivre. Merci beaucoup, Boukhalfa Ben Amr. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Je voulais juste remercier Mohsen Belabbas, président du RCD, qui était avec nous depuis Alger à travers Skype. Abdelsammar, journaliste d'investigation, rédacteur en chef d'Algérie Part, par téléphone, et ici au studio, Boukhalfa Ben Amr, militant des droits de l'homme. Yatikoum Saha, Tawa Al Akhir.